Bonjour, je m'appelle Annabelle et je suis animatrice du club de lecture à la Bibliothèque publique d'Edmonton. Aujourd'hui, je te propose de faire un projet d'art relief avec papier d'aluminium. Un relief, ça veut dire quelque chose qui a des bosses et des creux, quelque chose qui n'est pas droit ou plat. Pour ce projet, tu auras besoin du matériel suivant. Un carton ou une boîte de céréales de cette grosseur, des crayons permanents ou de la peinture, de la colle chaude ou de la colle liquide, de la laine, du papier d'aluminium et du vin invisible. Pour la première étape, prends le carton et la laine. Tu peux maintenant prendre la laine et faire un dessin sur le carton, par exemple un objet ou différents motifs. Moi, j'ai seulement fait des lignes droites et des cercles et essaie de garder le dessin le plus simple possible pour avoir un meilleur résultat. Ensuite, prenez la colle et venez coller votre laine sur un morceau de carton en suivant le dessin que vous avez fait. Si vous utilisez la colle blanche, elle peut prendre quelques heures à sécher. Maintenant, on va couper un morceau de papier d'aluminium et le placer sur la table. Assure-toi que le côté du papier qui est plus brillant soit face sur la table. Ensuite, on place notre carton dessus. On va plier les côtés du papier sur le carton et coller chaque côté avec du ruban invisible. On peut maintenant prendre nos doigts et tracer sur le papier pour faire apparaître notre dessin. Essaye de ne pas appuyer trop fort pour ne pas briser le papier. Lorsque notre dessin est bien visible à travers le papier d'aluminium, on peut prendre nos crayons de couleur ou notre peinture et colorier notre dessin de la couleur qu'on veut. Moi, j'ai choisi rose, bleu, jaune et vert.
Donc, voici le résultat final de mon œuvre. J'espère que tu as apprécié notre activité d'art aujourd'hui. N'hésitez pas à nous envoyer une photo de votre création sur notre page Facebook. J'ai bien hâte de voir ce que vous avez créé. À la prochaine!